assez adapté à la réalité. C'est ça. Mais là, tout à l'heure, il y a quand même Papa Adrien qui va présenter, qui a sorti son livre, donc il va en parler lui-même. Et puis comme ça, on a préféré, ça c'est beaucoup plus vivant, c'est concret, et puis il y a le bilan. En fait, tout est concret, hein. Faut pas que Mamoussouba quand même Mais bon, on a préféré que lui plutôt fasse sa présentation, et puis on va voir si d'ici, avant de faire un métier, s'il y a encore des choses à faire, on le fera. Donc voilà. Merci. Tout ça là qui sur les deux journées, donc hier, Nalelo, le programme est très bien établi au frère tout là. Par rapport, il y a un peu arrivé à Batou, tout ça, il est tout s'adapter dans l'auditoire. Donc pour Nalelo, tu prévoyais un certain nombre d'actions, il fallait d'avant. Entre autres, présentation à livre, il y a Papa Fokassou. Qui est Azali président, il y a Sénat en France, et puis Azal auteur, il y a deux livres, dont livre où a présenté, Azo présenté les lots titres dans le monde, donc il y a Moïsa Libosokuna. Donc Azal exposé Oyo à Rosa Labusse sur à peu près 30 minutes. Merci. Bonjour à tous. Comment d'abord, mon ami Monsanto. Je tiens d'abord à remercier tous les organisateurs pour avoir bien voulu m'associer au Salon du Livre et de la Culture Climatiste, édition UH 2016. Ma présence ici n'est pas pour faire une conférence sur la culture, Mandombe, plutôt pour juste exposer brièvement l'ouvrage intitulé « Les principes à l'origine de la culture Mandombe et ses implications » dont je suis l'auteur. Le voici. C'est un fruit de 13 ans de travail de recherche, 2003-2013. Pour ce faire, je voulais tout simplement en fait faire un petit historique pour montrer comment cette idée m'est venue. En 2003, j'ai eu un ami qui m'a dit, comme il y a un frère, comme on avait papa d'Adisola. Alors, il y a la réalité qui m'a dit. Alors, jour moro, en janvier 2003, il y a eu que papa Adrien, tu as une écriture moro dans Ngomba. Il y a une écriture, il y a oui, tu as une écriture dans Ngomba. Il y a ah. Ce qui peuple le monde dans l'écriture, dans la langue, et puis dans la religion, en tout cas, il faut bien. Parce qu'ils ont déjà un outil à domination. Donc la culture, ils ont trois éléments fondamentaux. Ils ont dit langue, écriture, et puis religion. Alors, il faut dans l'écriture. Et bon, justement, mon grand frère, cousin Naï, papa Nzaki, Nzaki Mouena, dans la canne, par la sabriche, dans Saint-Denis, dans mon Naï. Quand on a mon papa Nzaki Mouena, à Epsignalabi, qui tombe pour nommer parce que Moutassa qui écriture Oyo, à Zala Montpellier, à sa conférence dans Montpellier. Alors, ça, comme l'Île-de-France, dans ça aussi, il y a bon retard. Tant que moi, pour appeler la commune à France, dans l'Île-de-France, donc à Paris, à ce moment-là, il n'y a pas informé, mais il y a quand même. Tant que moi, je vais appeler la radio, il y a qui joue la conférence, ou il y a qui, comment je dirais, il y a qui assuré le 29 mars 2003. Ça dit conférence, mais c'est très bien, mais c'est pas conférence, il y a qui a monié. Il a tout nié, mais l'écriture, il a pas dans mon mini. Dans ce n'est pas l'école en haut. Il a justement tout ça, la conférence dans la briche. Bouche à l'île, dans la salle, à Saint-Denis. Alors, dans ça, le samedi, la conférence était aussi le samedi. Et donc, le cours était le samedi. Quand on a commis qu'on a, comment dire, la quatrième séance ou cinquième séance, en tout cas, pour l'anglais, il est quand même donc très difficile à comprendre en haut, parce que pour l'anglais, il est très illettré. Alors, si c'est comme ça, on travaille le samedi. Il y a qu'un endroit où on a fait un cours neuf, on a repris ce cours, comme ça on aurait bon facilement. Les cours dans le mercredi, puisque je ne travaille pas le mercredi, tant on a commis le 6 cours à ma nom, maintenant papa Abelagio, on a tout nié. Quelle relation y a-t-il entre 5 na 2 et Jésus-Christ, à multiplier avec la peine à poisson, Yopé, aussi 5 na 2 multiplié aussi concernant la voyelle. Abinamaï, papa Adrien, vous avez dit deux personnes qui m'ont questionné. En tout cas, on a repris ce réponse dans la moitié.
Je ne sais pas si c'est une piste de un jeune étudiant, ça on a mis ça qui est déjà en faculté à lettres, un jeune étudiant qui s'appelle Mabela, avec la faculté à droit, quand on a saisi une conférence, je jeune moi qui félicité à Abi, félicitations, monsieur Mabela, dit en tout cas, je suis émerveillé et puis convaincu de cette écriture. Mais par contre, donne-moi le nom de ton Dieu dans le monde spirituel. Pour avoir l'habit, oh, mais sinon, qui me dit, c'est un écriture, pour avoir l'habit, non, il doit avoir un nom dans le monde spirituel. Et tout ce qui était ma part, Mabela, alors dit, bon, mais répétez, mais quand je suis au courant d'Eli, Kimbang. Ah, non, il doit avoir un nom dans le monde spirituel. Alors, après 6 mois ou 9 mois, 6 mois ou 8 mois, papa va venir dans mon endroit, à se trouver en camp plutôt, à mon endroit, papa Kimbang en Zoya. Il va nous donner en Zoya, une silhouette. Plus la silhouette avançait vers papa Mabela, plus ça nous distinguait, silhouette, on a avec papa Kimbang. Papa Kimbang a quitté. Ma lettre, on a une lettre, roi de nom père et un père, de mettre des pères en profondeur, et ça arrive en 6 lettres. Non, là, roi de nom père et un père, et ça arrive en 6 lettres, le mettre des pères en profondeur, et ça arrive en 6 lettres. En tout, ça arrive 52. Donc, même comme on a un Pessingaï, ils ont un 52. Donc, ça, va la chose peut être au cas. Alors, on a un truc au Tungsangaï, on a compris pourquoi il y a 52, pourquoi pas 4, 6, pourquoi pas 7, 3, il y a 52. À côté de la recherche, mais avant de la recherche, tout ce que nous avons dit, c'est le retour de 1921. 1921, on a repris Papa Kimbangu, nous avons la photo là. Quand on va déplacer Papa Kimbangu, on va passer par Tarakiye, on belge, on va découvrir, et les Mbouana, les qui sont à planche, les Zara qui bouillent. 5, on a les bosses au format 5, on va tourner 2, format 2. Alors, Batali, ma belge, ma boîte dans la belle, elle comprend les terrains, elle est et le moine exini. Alors, bi, dans les années à venir, mes enfants feront de merveilles. Mais ces enfants, c'est qui? Ce n'est pas ses enfants biologiques, mais c'est nous tous. Et ses enfants biologiques, et ses adeptes. C'est pour ça que je vais me faire un amour. Papa Beladio. Avant d'être dans l'auto, tu comprends bien, appelle d'un camp. On a compris que tu as été détaillé dans ta livre, au Barotanga, au Barotanga. Alors, je vais me faire un amour. Wabeladio va prier de purifier la source sacrée en Kambaka. Je vais te confier une mission pour la race, pour l'homme noir. Alors, tant que ma kangwana, en fait, il y a juste une façon de faire la mission. On ne peut pas du monde ça qui est. Abandi, qu'on observe la mire abrique, Amoni forme le chiffre 5 à 2. Donc, la façon dont les maçons agencent le mire de Miyango, bon, il y a un demi la journée. Avec ma cousine, il y a un ami qui a été remonté, il y a un ami 5 à 2. Après quelques temps, la nuit suivante, à la ligne d'un autre, il y a un insecte qui parcourait ses vêtements, a attaqué une chemise à blanche et les pantalons à bleu. Cet insecte, il a parcouru ses vêtements, il a sécrété le liquide mongo sous forme de chiffre 5 à 2. A comprendre la mouille de Tongo, avec mon rapporté entre ce qu'on a mis à la brique à 10h du matin, pendant que c'est une prière, et la nuit d'après, mon papa qui m'a envoyé, a eu les documents, a signé le diplôme, a signé le diplôme, a brevet d'activité matérielle. Et ça, vous priez tout ce dont vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. Alors, départ, il y a aventure, Mandombe, il y a Moana. Tant que Zali, en quelque sorte, le principe de base. Principe ou Epoti, Mandombe. Et bah, éléments on a, il a juste éléments fondamentaux où ils ont constitué quelque sorte, je dirais, depuis le pouvoir scientifique de l'homme noir. Il y a un livre de Boti Mandombe. Il y a un livre de Comasco Nini, objet analyse dans la recherche dans la où on a fait le mot pendant 13 ans. Il faut comprendre que le chiffre 5, c'est bien un mot principe créateur, et le chiffre 2, principe de dualité. En fait, le 2, c'est la dualité de l'univers. Toute chose n'a vie à toujours deux. Hommes et femmes,
bien et mal, jour et nuit, matériel et spirituel, visible et invisible, pile et face. Donc, quand on a tout le monde, vous avez les gars, oui et non, vrai et faux. Donc, ils ont un mot et qui sont dans mon kili, la dioté de l'univers, tout ça, attention. Et le chiffre 5, ils ont la capacité, plutôt la capacité créatrice, Yamoto. Donc, on compte dans nos après. Donc, en réalité, en raison de la loi de symétrie, où la réalité, madame, dès la scène tout à l'heure, il est beau, oh, chiffre 5, se retourne en haut, ça le chiffre 2. Donc à travers le miroir, est commis 2, 2 à travers le miroir, est commis 5. Donc en réalité, ils ont encore un chiffre, moko. Alors, une question pour avoir, pourquoi on a 2, on a 5, pour servir la logique numérique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9. Pour on a le chiffre 2, on a 5, mais on a 5, on a 2. Ils ont encore un nom, on a une meilleure brique. Mais ce côté de mon zindo, si on a tiré le bord de la boue, vous m'en avez 5 doigts. Si on a tourné en haut, il changeait de 5 doigts. Mais, nous avons un endroit où on a un verre, un recto, ou un verso. Donc, les endroits alors sont créés, donc, toutes choses créées dans la vie. Il y a toujours des partisans, bon ben non, c'est du bien, c'est divin. Mais ça, on se montre bien, non, c'est satanique, c'est du mal. Donc, on a un autre abyssau, on a naturellement partout, mais tout le monde a un côté. On ne peut pas dire que c'est donc, on a un autre abyssau. Caca, mitano, mais toujours tourner caca à face. Alors, même si on a dit, ah, c'est quoi, comment parler qu'il m'a dit, après cet abyssau, écriture, à partir, il y a deux éléments, où ils ont dit le chiffre, où ils ont monté la salle. Donc, origine dans les animes, on peut dire l'Occident. Mais quelque part, c'est comme si ça entachait le moment. On dit, on a le cas, on a tout le monde, la personne a tout le monde. Mais pourquoi on a le chiffre, Oyo, il ne parle pas de la. Alors que ce n'est pas le cas. Chiffre, c'est le moment, Afrique. Sauf qu'il y a le Congo, on a passé du Congo, donc on a vu le village des Chambres. Tout le monde, les nombres sont nés en Afrique. Tout justement, dans le village des Chambres, entre la rivière Similiki, et le lac Idiab Zongsima. Parce qu'Edouard Azali, roi Yaba britannique. Alors, il y a un archéologue belge, Jean de Esner de Brocou, a découvert qui os Oyo, na Ishango, en 1950. En fait, il y a deux os, donc l'os 1 à 2, et bah, ça, il va le living sur le premier os, ou bien l'os d'Ishango. Ce passage représente la schématique Nango, et puis souvent en taille numérique. Il y a un mot d'un an, il y a un os mongo, il y a trois colonnes. Il y a le quoi dans le stylo, dans le Oyo. Dans trois faces, il y a stylo déjà au paléolithique, les mathématiques, car les marques entaillées révélaient diverses notions mathématiques. Une table d'un système de numération de base 10, de nombres premiers et des multiplications et divisions, des duplications consécutives, des symétries axiales. Alors, pour vous dire, recherche sur ça beaucoup plus, un Camerounais, un astrophysicien, un professeur à l'Université des Cartes à Paris, comme on est Jean-Paul Mbelek. Mais ma idée, c'est que la recherche, Mais Jean-Paul Mbelek, Camerounais, a mis encore plus, notamment un article de Nassaraki, le déchiffrement des eaux du Shango, confirmation de la naissance des mathématiques en Afrique équatoriale aux sources du Nil. En gros, en mettant en place les nombres premiers, et la duplication, et la méthode d'éducation plutôt, les paléo-mathématiciens du Shango ont prouvé la précocité du génie africain qui a guidé les premiers homo sapiens jusqu'à la création de la civilisation égypto-pharaonique. Donc, culture, il y a un nombre dans la nation, il y a un nombre, il y a un Congo, il y a un Shango, et tant que si vous êtes comme l'Egypte, continuez toujours sous forme en taille numérique. Sur le terrain, la colonne Oyo, où il y a trois auteurs, quatre colonnes, quatre auteurs, donc il y a la première grande colonne, et la première colonne, il y a grande colonne, tout le monde a un taille, un trait, il y a un os du chambre. Il y a une numération hiéroglyphique. Et Botami, à partir de l'écriture hiéroglyphique, où il y a 350 000 ans avant Jésus-Christ. Après, il y a une écriture erratique, toujours en Égypte, en 2400 avant Jésus-Christ.
et aussi numération hiératique. Où est-ce qu'on a deuxième colonne. Et la troisième colonne, c'est l'écriture domotique. Et beauté numération domotique. Où est-ce qu'on a voilà. Dans la troisième colonne. Écriture hiéroglyphique, c'est l'écriture sacerdotale. Pour nous avoir initié, nous avons scribe. Et écriture hiératique, c'est l'écriture pour nous avoir prêtre. Et puis écriture domotique, comme on dit, domos, domos, il y a peuple. Pour nous avoir le courant, la vie, comme l'économie, il y a droit, et il y a politique. Mais, façon à enseigner l'écriture, comment dire, le nombre domotique, et que nous avons fait ici. Tant qu'il a fini ici, le Katin a dit, et Boti, écriture Brahmi, numération plutôt Brahmi, Gupta, Nagari, Indi, Guba, Apisna, écriture moderne, il y a nombre. Donc, naissance, il y a pas chiffre, et ça en haut, Égypte, mais via l'os du Chambo. Donc, quand on avait dit, les Akkadiens étaient des Sémites qui, tout comme les Hébreux, les Araméens et les Phéniciens tenaient les Égyptiens un savoir qu'ils transmirent plus tard aux Grecs. Tous ces peuples avaient deux manières d'envisager la numération. L'une plus abstraite est toute une philosophie. L'autre pratique sert au commerce. Elle fait appel à des signes maniables qui, comme dans l'écriture démotique égyptienne, par exemple, représentent des quantités concrètes. Dans les écritures phéniciennes et hébraïques, peuple commerçant qui l'en fut adoptèrent donc une notation démotique, mais en adaptant ces signes à leur forme d'écriture. Donc, les Phéniciens ont une numération haute. Ils ont une numération T, mais ils ont une écriture. Voilà ce que ça a donné comme tableau. Il y a évolution, origine à évolution, Brahmi, Gupta, Nagari, chiffre Gubar, arabe. Du Maghreb, le chiffre indi, arabe d'Orient, et puis le petit chiffre moderne. Donc, quand on a un état, mais comment on a un état, comment qui, tant que l'Indien, qui est l'ambassadeur en Irak, dans la Mésopotamie, l'Indien, on a un état comme ambassadeur, mais qui a donné au pays El Mansour. El Mansour, il y a un calife, il y a Irak. Après, il y a 9 chiffres indiens. Donc, petit de la gloire, mais vous créez ce que à partir du chiffre indien, chiffre Nagari, mais vous créez le chiffre Gubar. Après tant que couvent, et moi, non, j'ai un pape Sylvestre Ier et Sylvestre II, il me dit comme ça, en passant par les apices, les chiffres apices, c'est comme la lettre moderne. Donc, ils ont une origine très lointaine, le chiffre moderne, ils ont une origine très lointaine, le bassin du Congo. Il en est de même avec l'écriture. L'écriture que nous avons, ABCD, ils ont encore 20 lettres hiéroglyphiques, c'est des bottes en mots. Bah, hébreu, non, bah, phénicien, bah, apprendre un peu égyptien, bah, il y a toujours 20 lettres en mots. Mais il y avait un noir phénicien au nom de Cadmos, bah, il avait dit Moanaye, il y a Moissi. Moanaye, moi, ce qu'on est Europe. On m'a levé, bah, il y a la Grèce. Alors Cadmos, le noir phénicien, a gagné en Europe pour que nous soyons Moanaye, bah, il y a ce que vous avez dit, non, Cadmos a qu'une Europe. À quelle chose au moins l'Europe. Et certains disaient Cadmos a qu'une Europe. D'où le nom de l'Europe aujourd'hui. Donc, Europe, comme l'Europe, même si vous avez dit Google, Europe, vous avez dit comme vous avez moins de Moïndo, moins de Cadmos. Tant que commis la Grèce, dans le groupe, comme vous enseignez le grec, l'alphabet. Vous avez dit un phénicien, un hébreu, Aleph, Beth, Gimel, Dalet. Et Pessi, Alpha, Beta, Gamma, Delta. Et tant que la terre va se dire en haut, et puis c'est un signe de commis ABCD. Tout le monde se dit en haut, pour que ce soit encore pas l'outil, l'outil en haut, la tête de B égyptien. Donc quand on a le désert dans Sinaï, commis tête de B proto-sinaïtique, et commis Aleph, hébreu, Aleph phénicien, Alpha, et puis A. Donc A, O, Yosaka, la tête de B renversée. Historien, au Bassara, ma recherche sur Rango, comme Diodore de Sicile, qui dit lorsque Cadmos y rapportait des Phéniciens, ce que l'on appelle les lettres, il fut le premier à les adapter à la langue grecque, à attribuer un nom
à chacune et en a tiré, en a fixé plutôt les tracés. Hérodote a dit, ces Phéniciens venus avec Cadmos, Yagmec Cadmus, introduisirent chez les Grecs, en s'établissant dans ce pays, beaucoup de connaissances, entre autres celles des lettres que les Grecs ne possédaient pas auparavant. Donc, ma commune à Bango, ils ont un livre de Sicile qui s'appelle Bibliothèque historique, livre 3, et puis il y a Hérodote, ils ont un livre 5. Et il y a une preuve de plus que la culture en haut et n'importe où. Il n'y a aucune trace en Europe, il y a invention, il y a écriture. Voilà encore un détail, l'arbre généalogique, la lettre A. Et Bandi, la évolution, la hiéroglyphe, tête de bœuf, et Kiti, proto-sinaïtique, phénicien, qui est la branche hébraïque, quand on se dit arabe, et qui est la branche grecque, et l'autre étrusque, et Missy, l'alphabet aujourd'hui, l'alphabet moderne, A. Alors, ce qui est tellement maintenant en Europe, on battra ces athées. Encore une preuve supplémentaire, sur la Bibliothèque nationale de France, il y a cette pièce de monnaie, ben, commis bien, pièce de monnaie représentant Cadmos, apportant l'écriture aux Grecs. Effigie réalisée à Tyr, en Phénicie, au IIIe siècle après notre ère. Et ça, à Paris, Bibliothèque nationale de France, département de monnaie, médailles et antique. Preuve supplémentaire que vous n'allez à saluer ni chiffres, donc ni nombre, ni écriture. Et puis, encore plus dans le détail, il y avait un exposé de discussion entre Emmanuel de Rouget, un savant, dans l'Académie des inscriptions de belles lettres à Paris. Ça, la discussion, on a dans le mois de juillet 1895. Les Anango, Biloko, Euti, la Grèce. Mais aussi la Grèce, tout le monde a égyptien, et puis phénicien, et puis grec, et puis A. Les preuves sont là, mais il faut toujours le dans la profondeur d'Ango. Voilà, en gros, en fin de compte, la salle arbre généalogique et alphabet moderne. Mais il s'avère que le tête de B, par exemple, du cas de la lettre A, ou l'outil dans l'écriture hiéroglyphique, dans les hiéroglyphes, et ça, quand la 4 a Rom Congo, tête de bœuf avec tête de taureau, Congo, on a la constellation des étoiles, on a la constellation de Bélé, on a la constellation, on a commis en haut, et ça a déjà l'alphabet dans le Rom Congo. Dommage, on a ça image Moko, mais les gens ont un livre, image et alphabet Congo, au moment de l'alphabet Congo, 8 des signes à l'alphabet Congo, les gens ont 8 des signes à l'alphabet hiéroglyphique. Mais ah, on a tiré un trait, un pointillé, pour dire que l'écriture hiéroglyphique aurait pour origine l'écriture Congo. Mais tout ça, ça va recherche sur la terre. Mais ah, on a pointillé ça, ils ont confirmé que l'écriture Oyo, tout le monde A, B, C, D, et aussi dans l'Afrique, dans l'Égypte pharaonique, l'Égypte noire. Mais pourquoi, dans la série Oyo, ils ont pas déconstruire Mutomundo? Tout le monde saurait que tu as une écriture en abysso, il met aucune écriture en rap. Tu as un savant, tu as un ingénieur. Tu as une écriture en rap. Il peut-être que l'écriture est en train de se faire. Il y a des savants. À chaque fois que tu as une écriture en nombre, tu as redouté. Tu as un rap. Tu as un ingénieur, tu as un savant, tu as un tout. Donc ça ne sert à rien, tu vas apprendre encore une autre écriture. Puis après, tu construis. Donc on peut s'en dire ça. Exemple. Ceux qui ont une bouteille en foot. Vous avez un dago, vous avez un pétrole qui est là, et il y a un pétrole qui est là. Vous avez la bouteille, vous avez un foutre. Il faut que vous avez un pétrole, vous avez invité un dago. Il faut inviter à la base à éclairer. Alors, vous avez un pétrole, vous avez un pétrole. Vous avez un pétrole, vous avez un pétrole. Vous avez un pétrole. Vous avez un pétrole. Vous avez un il y a un pétrole, parce que vous avez la bouteille, vous avez un foot. 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 Vous nettoyer. Donc, en gros, vous avez un foot. Vous nettoyer. Puisque vous avez un foot. Vous avez un civilisation. Mais à m'y habiter, vous avez un foot. En fait, les nombres et l'écriture
sont des éléments fondamentaux qui constituent l'antibrosseau préhistorique. Parce que tout au long de la préhistoire, toute l'histoire, c'est grâce à l'écriture. Tout au long de la même internet, tout au long de la classe, même pas dans la classe, c'est vraiment que non. C'est grâce à l'écriture que nous avons quitté la préhistoire pour entrer dans l'histoire. Mais tant que ça posait à Kane, Nazaka, Abi, l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Alors que c'est nous qui avons fait entrer l'humanité dans l'histoire. Parce que notre côté humanité, dans l'histoire, c'est l'écriture. Sinon, tu es dans la préhistoire. Or, les deux éléments fondamentaux, les alliés, nombre, la lettre. Il y a un fait de construire mon toit, et pas une ligne, il y a ça, ma casse dans mon kili, et pas une baboumissier. Et après avoir déconstruit l'homme, la livre, on a ce qu'on va dire au sein de la signification, il y a un chiffre. Chiffre 1, les alliés, chiffre 1, Nzambé. Chiffre 2, chiffre la dualité. Nzambé, il y a mon repère, avec une missi, avec comme six motos, il y a la trinité. 4, c'est la matière et matériel. À sa division, mon kili, tu es encore. Mais tant matière, esprit, naïe. Ce gars, à côté de notre noyau, est comme 4 plus 5. 4 plus 5 jusqu'au la capacité créatrice. Donc, ce que tu as compris dans Zambé, ce que tu as compris dans 4 noyaux, en tout cas, sur ça, la recherche, en tout cas, à côté de la terre, on se force à recréer l'homme. Mais le nombre ne sert à rien. Pratiquement, on va voir la radio. Je suis le roi, le nombre père, un père. Je vais mettre un profond, moi, historique, que tu m'as nommé. Je vais remonter le nez, autant qui. Et puis, d'un côté, dans deux. Sauf que tu as dit, madame, au moins un nombre, bon, mon chiffre 5 dans 2. Vu sous l'angle des chiffres, il y a des chiffres 5 dans 2. Mais vu sous l'angle des nombres, il y a des nombres 52. Il y a un voilà ce qui, au tangi, lettre, il y a roi de nombre, père et impair, le maître de paix en profondeur, et ça lui a 52. Mais pas pour là, à la science des nombres, tant que la science des nombres, chaque lettre et alphabet, après ça, on va parler numérique. A, ils en ont 1, B, ils en ont 2, C, ils en ont 3, D, ils en ont 4, E, ils en ont 5, et ainsi de suite. A, ils ont qui, moi, le rôle éternel, et ça, c'est 77. Moi, qui manque, c'est 77. Ça veut dire que qui manque est éternel. Ça, c'est pour la mission à Zoba. Alors, si tu super moi, comme Elohim, tout ça, il peut avoir valeur numérique, et puis ça, c'est 52. Chez les Juifs, Dieu Tout-Puissant, Elohim, 52. La parole, il y avait, c'est Dieu. Tout ça, valeur numérique, ça allait d'avoir 26, il y avait 26. Donc, la parole de Dieu est égale à 52. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu la parole. Donc, si la parole de Dieu est Dieu, donc Dieu est 52. Donc, ça confirme, au prophète de la saison, roi, le nombre de père et un père, mettre le père en profondeur. Donc, nous avons meilleur mon go et nous avons ma commis, mais la Bible est un symbole par excellence, il y a Nzambé. Donc, il y a le nombre par excellence de Nzambé, c'est 52. En commençant par le 1, qui est lui-même Dieu Tout-Puissant, le 3, la Trinité, le 7, chiffre à perfection, le 6, le Saint-Esprit, le 21, chiffre accomplissement, et puis le 52, Yemoro Nzambé. Le 21 peut se dire SKK, Simon Kiamani, et ça fait 21. Voilà, à partir de la révélation, il y a un roi de nom de père, papa va bien conserver la recherche, a trouvé ma caractéristique, il y a le mot ami balai, à moins que ça symétrique, 5 dans 2, 2 dans 5, à moins que 5 mois l'apaisant va coûter, puisqu'il y a un seul élément, 5 dans 5 côtés, ils ont deux extrémités, gauche et droite, ils ont la partie supérieure, partie inférieure. Et puis à faire évoluer en haut, étape raisonnement, étape simple, avec un voilà. Bamba, étape composée, on voit la piluka, étape complexe, on voit la pipita. Et puis à transformer par la transformation d'éléments positifs, et faire non, par différentes sortes, par différents degrés, et ici, concerne les délais. Puisque vous avez vu le chiffre des activités matérielles, c'est avec ces deux chiffres que vous réaliserez tous ces dons vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. Et à partir d'un seconde, avec vous mis ça, et tu m'en nommes. Mais le fait qu'à passer par les caractéristiques, les étapes à raisonnement, la transformation, en fait, sans se rendre compte, papa va bien mettre en place un procédé scientifique. Donc, c'est quoi un procédé? C'est une technique ou une méthode permettant juste à la réalisation d'une tâche ou à la fabrication de produits finis. C'est ça le procédé.
Un exemple à procéder, par exemple, blé. Blé, c'est la matière première. Comme 5 à 2, c'est la matière première. Ce qui va moudre bleu, va broyer en gros, c'est la farine de blé. Farine de blé, ça va tirer maille, la levure, et ça lui pâte. Pâte, va tirer dans la four, et ça lui pain. Donc, du blé au pain, tu vois, l'étape intermédiaire vient à procéder. Papa va faire la même chose à celui de procédé scientifique Mandombe, mais sans se rendre compte qu'il était en train de mettre en place un procédé. Donc, procédé dans un Wana, où il y a ces différentes étapes pour avimasco de implication. Voilà, en gros, en passant du principe, Papa va bien a mis en place un procédé. On l'a vu tout à l'heure, bas côté, bas extrémité, bas symétrie, bas partie, bas rotation, et ainsi de suite. Et après avoir passé comme ça, on va procéder. Ce procédé lui a, de schématiser, lui a permis de voir maintenant l'implication première, Mastono Mandombe, écriture, implication Yami Balé, Kimbangula, à Mandombe, et puis il va devenir la Simané, Papa Gaston, à Messi Calandré Mandombe, toujours à travers, va procéder là, mais sans se rendre compte que c'est un procédé scientifique. C'est ce qu'est décrit le livre. En gros, nous sommes passés du principe aux implications, donc de la découverte à l'invention. Papa qui manque plutôt à l'accès à la découverte, principe, à côté de la réflexion, par des prières, concentration, méditation, intuition, raisonnement, transformation, à mission procédé scientifique. Et puis après, à quelle invention, bah, implication. Les petits écritures, la art. Au bord de la synagogue, qui va être tout le monde nommé, comme ça, le blog de Bélé, science, et Papa qui a senti le calendrier, il y a la pseudotechnique, la cryptographie, etc. En résumé, il y a une différence entre Mandombe et l'écriture Mandombe. Mandombe, en gros, c'est le principe de base. C'est le principe divin. 5 na 2, c'est ça Mandombe. Ou 52 Mandombe. Mandombe, c'est ce que Boti. Ou principe Mandombe est Boti. Écriture Mandombe, Masono, et Boti. Art Mandombe, Kimbangula, et Boti Science, Mandombe, Kimazayu. Le Kimazayu n'est pas enseigné en Europe parce que ce modèle a Zuango. Après sur 1 million, on était qu'il y a un. Après, ça m'a regardé dans le Congo. Il y a des noms qui m'ont secret. Mais, écriture, ma art, et puis ça m'a regardé dans le premier zèle à noter. Donc, l'implication scientifique à Mandombe, en Wana, écriture, dans l'écriture, dans la linguistique, dans l'art, dans l'architecture, mécanique, horloge, calendrier, astronomie, etc. Donc, quand on parle de l'implication linguistique, il est vraiment confirmé aujourd'hui que les Kikongo, ils ont eu la révélation écriture Mandombe. Ce qui est le blog, papa avait la Zwaki, par exemple, la clé O et la caractéristique, rotation, symétrie, il y a clé O et O, caractéristique O et ça, il y a 2. C'est-à-dire rotation, il y a 3. Rotation, symétrie, il y a 3 et ça, il y a 4. Rotation, à 4 et ça, il y a 1. De même chose, ce qui est dans la lettre, syllabe DA, ça c'est DA, donc la syllabe DA, saute dans le miroir, comme GA, syllabe GA. C'est-à-dire rotation, comme RAFA, tout ça, il y a. Tout dans le miroir, Fa est comme Iba, et la rotation de bas est comme Ida. Donc il y a une symétrie rotation et élément. Donc, Mandombe, ils ont là-bas symétrie et rotation. Alors, ma langue n'a pas été, ils ont encore la 4 yélo, la symétrie et rotation. Mais quand on a besoin de la langue n'a pas été, on a ça, attention, nous avons dit, la langue Congo respecte le principe de miroir, optique et écriture, sans le savoir. Bon, la langue Congo est plus nasalisée, tu as retenu quand tu as la nasalité, donc il y a NT. Tu sais, le mot Kuta. Kuta, ça veut dire tas de marchandises. Si un commerçant met un tas de marchandises dans la table, à côté de moi, à Koga, il y a un bon. Donc, à ça, là, un tas. Sauf qu'à 8 tas, par rapport à il y a plus de dépendance, si on a une marchandise, par exemple, on a 5 euros, et on a 2 euros, à côté de moi, on a 5 euros, on a un bénéfice, c'est à 3 euros. Donc, on peut essayer Luta. Luta, son gaz vit l'outre à bénéfice, c'est parce qu'il a fixé un bon prix, une talle. La talle de quoi? C'est le prix de marchandises. Soit qu'il y a un sens, soit qu'il y a un sens, il y a un sens inverse. Quand on a une marchandise, si on fixe un bon prix, ben on a le bénéfice. Et si on a le bénéfice, ça nous donne beaucoup d'argent, on devient riche. Alors, bah, comment, sans le savoir, quand il y a la langue d'Abango qui a des milliers d'années, parce que c'est un principe, oh, moi, c'est un rébellé. Il y a des milliers de mots, oh, quand il y a un homme qui a 16 ans, ils ont des bombes. Même si on a un mot, là, un pâle. Si on a une rotation, on a commis, coupe.
Goupa, ça veut dire quoi? Collecte. On parle ou impôt. Donc, on fait la collecte des impôts. Les impôts sont collectés. Donc, dans mon Congo, soit ils allaient ville-ville. Le maire, il y a ville-ville. Soit ville-ville à 4 mots, ou bien ville-ville à 2 mots. Comme j'ai dit tout à l'heure, Mpagou, Kumpa, par exemple, Bakusa, Sabuka. Si vous avez dit Bakou, vous avez dit Ososola. Sabuka, Bakusa. Donc, tout le monde Congo, ils ont régi par les ville-ville. Si la loi de formation des mots, puisque le Congo n'est pas seulement la langue de la personne que tu m'as nommé, c'est aussi la langue du savoir. Si nous disons par un terme, 80 ans commis, Dieu, univers, éclair, électricité. Rapport sémantique entre les quatre mots. Et quel est le rapport sémantique entre les quatre mots? Est-ce que Dieu a à voir avec l'électricité? Est-ce que Dieu a à voir avec l'univers? Rapport sémantique. Exact. Bon, parce que ça va à Dieu dans le Congo. Combien univers dans le Congo? Combien éclair dans le Congo? Nzazi. Combien il y a électricité dans le Congo? Nzaziki. Donc il y a un rapport sémantique. Donc, Nzambi wa Semanza. L'électricité est une émanation de la création par les dieux. C'est que Albert Einstein appelait de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc, d'ailleurs, le Congo, comme en faisant, ça va facilement. Mais si on parle français, pour moi, ça va être difficile. Parce qu'il faut dans la logique, il y a la langue, c'est espagnol, c'est une suédois, à cause de la bloquer, 6 ans après, comme c'est langue, ça va être. Mais la langue, là, ça va. Donc, voilà pourquoi le Congo a la langue à révélation et puis la langue à savoir. La langue sacrée du savoir. Alors que toi, les films petits, les films grands, tu comprends la guité. C'est au compte de la profondeur, il y a l'électricité de Zaziki. Tu vois l'électricité dans la molécule. Maintenant, ta molécule dans l'atome. Atome, ça va électron. Ils ont un neutron, proton, électron. L'électron, il y a un icône, il y a un donc, Zazoni, infiniment petit. Nzambi, infiniment grand. Tout ça, on a un cas d'icône. Donc, il y a moi, c'est que tout ça, il y a un Congo. Parce que l'icône, ça a richesse moko incommensurable. Or, l'écriture mandombe peut être l'écriture où ils ont approprié dans la langue de l'Abisso. Papa qui manque 921 ans, c'est professionnel, n'a pas grave, moi, qui la génération du Congo perdra tout. Elle ne saura plus la proximité des ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni vous la langue maternelle. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues blanches seront oubliées. Le passeport congolais, la conscience congolaise, en français. Au Nigeria, les passeports en anglais, la conscience nigériane en anglais. Dans la Guinée-Équatoriale, les passeports, tout le monde se comme en espagnol. Mais langue à Mindele et Kobunga, Ningeni. Mais le professeur dit, il fait Bunga. Alors, si tu continues à faire l'écriture de Mandombe, tu comprends que si tu mets l'écriture de Mandombe, un texte, comme moi, tu sais, on a dit, Yambo, Mondele, Akoka, Koyingela, O, Mikili, moi, Africa, virgule, ba koko, ba biso, ba zalaka, solo, na boania. Mais plus loin, tu as dit que tu as entre cochés. Moi, je suis venu dans province. Donc, si tu as moi, papaya, moi, par exemple, occidentaux, il faut dire entre cochés. Mais surtout, comme on m'appelle suédois, je m'en donne, espagnol, portugais, nous sommes obligés de toujours accrocher, l'État va combien? Va accrocher au pays province, va accrocher, 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 au fleuve, au territoire, au district. Surtout que moi, texte mot français, par exemple, je vais à l'école, après l'école, j'irai au marché. J'ai accroché, accroché, école, accroché, après accroché, j'irai accroché, au marché, accroché. Automatiquement, Mandombe est perdu de cette vision de l'amour. Donc, Mandombe, comme Rabalang, il y a pas de été pour Rabalang africaine. Ce qui est le gouvernement africain, il y a Mandombe, la Sika Lango, et comme il enseigne l'école maternelle, une université, ce qui est le chèque, la fiche de paye, le texte qui est dans la carte d'Afrique, dans la Wolof, dans Bambara, dans Sonike, dans Sango, dans Diola, dans Bassa, dans Wondo,
na Yoruba na Hausa na Lingala na Swahili na Zuba na Sango na Zosa ou Zulu, mais automatiquement les langues des noms sont remplies. Voilà le secret. Il y a langue à midele kubunga, ça mandom de nous à midele. Tout le cola, tout le temps à nous pour tout nous à midele en Afrique. Le pays bas gouvernement africain balandango. Ce balandango monté tout ça dans le boulot. Voilà l'aspect en fait d'implication linguistique. Il y a mandombe, il y a fait nakati mandombe, mais il y a aussi l'implication plus que linguistique. Oh yo, malgré dans le tableau de l'expliquer ni papa ou la suite dessin. Autant la suite dessin, oh yo, avec du manque d'absence, avec tout ce que tu as, si tu trouves mon pied, tu me trouveras. Avec un élément ni deux éléments, oh yo, avec une cinq, oh yo, et puis avec une deux. Avec tout ce que tu as, si tu trouves mon pied, tu me trouveras. Pied en gros. Dans la même combinaison, il y a deux. Pied. Deux. Sans lâcher les stylos. Pied. Deux. Rotation. Pied par la rotation. Deux. Pied. Sans lâcher les stylos. Cinq. Pas comme longo. Le pied. Donc le 5, le pied, 5 rotations, le pied, il tend à zoomer le point de départ à trouver Moutouana. Avec le point de départ, il y a un Kwatulendo. Kwatulendo, il est tout puissant. C'est celui qui détient la puissance. Et à partir de Wanamé, ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle les Kimbangula Armandombe. Donc depuis Armandombe, ils allient Kimbangula. Voilà, implication scientifique. Il y a un nom, mais il permet de sonner tout ça par motif décoratif. Ce que nous avons là, on conserve la moquette, on conserve le rideau, on conserve la panne, la poutre. D'autres dessins, même les dessins scientifiques, on conserve même la précision fractale. Donc on conserve le tableau. Le tableau, il y a Picasso, plus que Picasso, nous sommes pour Félix, à la paroisse à Saint-Denis, pour Félix Kivouyou. C'est toujours en apprenant les Kimbangula. Ça peut nous amener aussi dans l'architecture. Par exemple, ça c'est une façade architecturale. On peut créer nos temples en mettant pour qu'il manque le bosseau à temple, en tant que temple d'abissau. Voilà une autre application scientifique. Kimbangumuna, ça c'est un calendrier mix. Les calendriers qui Kimbangumuna avec le premier mois qui tombe, qui commence le 6 avril, depuis le ministère pour Kimbangu, et puis le calendrier grégorien. Nous sommes dans les 6 avril qui manquent. Et ça, en partant, il y a deux éléments mandombe. Nous avons papa Gaston, quand nous battions Mandoli, à ce que nous avons dit. Nous avons dit que 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 nous le 10e jour du 7e mois, c'est les jubilés qui manquent. Le 10e jour du 7e mois, c'est les jubilés qui manquent. Pas du moins à qui dans d'autres. Il y a eu, oh, à qui musulman, à qui m'a dit, mais ça c'est non, oui, oui. Je lui ai dit, c'est Salamani Kalamine, il était en 2001. Du 12 octobre 1951, 12 octobre 2001, 50 ans, il y a mort à Bakimba, à qui jubilé. Mais 10e jour, 7e mois, tu auras la fête de la 10 juillet. Tu auras la fête le 8 juillet, la transfiguration de Bakimba, le 17 juillet, Koreki, le 29 juillet, le Koulou. Alors, et tout ça qui est, pendant quelques mois, à tel moment, on m'a dit, ah, mais 10, les gars là, 5 fois 2, 5 fois les gars là, 10, mais 7, 7e mois, les gars là, 5 plus 2, 5 plus les gars là, 7, on dit, ah, ça va arriver, ça a à voir avec un calendrier. Quand même, si ce calendrier n'a rien, il s'avère que, dans le mois, il y a octobre, le 12 octobre, il est tombé 10e mois le calendrier. Kimbangumuna, ah, mais voilà, papa ne m'a pas dit. Et pour le 10e jour, il y a 7e mois, il y a calendrier. Calendrier. Et automatiquement, ce calendrier là en avril, 7e mois, il y a Kambanga là. Et 10e jour, il y en a celui 12 octobre. Mathématiques trigonométriques. Donc, ça m'a ébellé, mais ça va science, et ça m'a quitté ça, et groupe m'a donné mon athée. Donc, en gros, nous sommes passés du principe aux réalisations. Par exemple, vous avez vu le chiffre exacté matériel, c'est avec ces deux chiffres que vous réaliserez tout ce dont vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. En gros, j'ai compris que les deux chiffres avec mon principe, on l'a vu tout à l'heure, le principe divin, le principe mandombe, et qu'ils réaliseraient, c'est quelque chose dont vous avez besoin, il y a science.
secret tout et ça n'a qu'à ce qu'il y a de l'eau à lui réalisation. Papa, il avait la pétition à ce procédé scientifique maintenant, mais à l'émission ou à l'émission, l'application maintenant, mais il faut ce côté de l'innovation pour que tout le monde accède concrètement tout ça, toi, ma mine. Mais l'innovation, pour l'instant, c'est l'innovation, c'est pas trésor, tiens, Gani, à créer système de transaction digitale, à créer tablette Mouilou, un smartphone, le Kenny. Il y a un logiciel environnant, il y a un système d'organisation digitale, comme équivalent Word, équivalent à PowerPoint et Excel. Alors maintenant, il faut que le Congo, le gouvernement puisse accompagner des bisous, tout ça par laboratoire, pour tout passer dans le développement scientifique et technologique, la production matérielle et construction, ou dans la carte et la réalisation, dans la technologie ASICA. Et ça va être l'étape à venir. En gros, en conclusion, la découverte étant relative à une donnée de l'univers ou à une vérité spirituelle, l'invention n'est que l'implication scientifique matérialisée de cette découverte par le biais d'un quelconque procédé pour arriver à la réalisation du bien-être matériel. Donc, sur cette découverte, nous avons vu que nous avons la nature. Nous avons encore la moukili, nous avons un mot à Tali, à Bihor. Où est-ce que mon pépé? Nous avons un compagnon de pépé. Ils ont un gaz de bélé. Ils ont O2 oxygène. Ils ont H hydrogène. Ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps. Donc, la découverte, tu as un peu de temps. Tu as un peu de nature. Ils ont donné l'univers. Ils ont lié la vérité spirituelle ou bien donné l'univers. Ce que nous avons inspiré, nous avons inventé. Et en fait, ça a une implication scientifique. Il y a découvert au Monaki. Ils ont donné un Zambé. Donc, il nous appartient à apprivoiser les Mandombe ou les appartements culturels et scientifiques légués à l'Afrique et à sa diaspora par rapport à Kimbangu. Puisque Mandombe a eu d'abord un outil à réhabilitation des langues des Africains, n'est pas tout à l'heure, dans le but d'exprimer les concepts scientifiques et philosophiques inhérents à nos langues. Et puis Mandombe aurait valorisé l'identité culturelle d'Abisson et Yamutomundo. Et Mandombe a dit symbole de libération mentale et intellectuelle, il y a homme noir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur. Brillante présentation. Papa Adrien Fakasungu, te représenter était parce que Komo Siboyo qui te est bien malam ou dans le livre, principe à l'origine de l'écriture Mandombe et ses implications. Tout l'année en malam, la projection, tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais papa Adrien tokende tozonga makamuzulu bila tozokende makamwa kikongo tozokende ba dialect na biso esiko toko sala ndenge ni tobano ko mandome na français na anglais na grec na ni toko subane matondo mingi ndenge pesi na maloba papa dali na sebe mingi deja ko ya kati na bino pona salon de livres de sali awa na liège donc édition 16e édition à liège. Et là, on a dit que Mandombe, en fait, est salémi, ou est pésami plutôt, pour n'aider Motomoïndo à quoi réhabiliter la langue naïe. Surtout la langue de l'Afrique à Nyonso, et puis la langue de la révolution de culture, pour te bengi, Kikongo. Donc, Mandombe, ils allaient pour nous recommander le quota de la payate. Ils allaient pour nous recommander le quota de la bisso. Nayongo, on a surtout tout qui n'est pas. Tout tangi na prophétie il y a papa Kimbangu de 1921 alors qu'il y a un paragraphe moro que la génération du Congo ignorera sa langue maternelle, elle sera embrouillée par les principes pervers du monde européen. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles, il faut les enseigner à vos enfants et petits enfants car viendra un moment où les langues des blancs seront oubliées. Yangwalande qui sont ma prophétie, ils ont une des Mandombe. Si tu as l'écriture Mandombe, comme ils ont même réhabilité la langue Nabiso, c'est pour ça que la langue a mené le Pébunga. Donc Mandombe, ils ont pris le côté de tout le monde. Donc ils ont pris le côté de la Mandombe. Merci, papa Adrien. Je suis allé sur le Tomoni au livre. Est-ce qu'il y a un livre en Mbala Liboso, il y a présenté le livre, ou bien Mbala Liboso, il y a comme un livre. Ce que je suis allé, c'est le livre, c'est un livre, c'est un livre. Oui, les amis, bah, c'était bien que la bande comme livre en Bali Bosso en 2003, mais comment il a moment moi en 2005 na Kataki yango pour la une là comme livre sur œuvre Bagimbang. Mais bon, ça comme livre sur œuvre Mandombe,
mais pas de mal à monter. Il y a un cigarette kata la bande à la moussou en 2005. La bande qui commence en 2005, l'émission en 2009. Comme on a Kimbango, le plus vieux et le plus jeune des ancêtres de l'humanité. On a livré à Ibosso. Après tant que Bimi, la zone qui est au coma, on a fait une recherche il y a presque 13 ans, il y a 13 ans plus tôt. La Bimi Yango, Yango les a livrés dans la Mibale, au Tobengi, les principes à l'origine de l'écriture Mandombe et des explications. Merci, papa Adrien. La Mouni était solo au Lobela qui peut répéter en gros expérience ou bien recherche il y a 13 ans. Ouzala qui s'est basé dans la Bible, les témoignages ou bien Ouzala qui juste Masolo y a eu na famille ou bien Ouzala qui n'y n'est exactement. Alors, nous avons été au Lobaratan, nous avons exposé sur Mboutame à Mandombe. Nous avons dit d'abord, comme ça, il y a la Bible. Matthieu chapitre 14, verset 17. Et comme que colloie sous amispaki 5 pena de poisson. On a compris les locaux nini au colloie ça là qui pour mon papa comme belé, mais pour son comme belé. Tant que pour belé le 5 non, effectivement il perçoit avec tout le monde tout là, donc ils ont un secret mon fond dans Luca. Alors on dit que Luca une partie de écoutant la Bible, mais ils ont équipé Luca là pour comprendre l'origine des chiffres. Donc ça comme quand mon commis il y a des documents à 1800 1900 surtout dans 1800, dans le 10e siècle, sur la civilisation de Motomoindo. Nous avons que dans le livre de Tangaki, nous avons recherché dans la Bibliothèque nationale de France, dans le centre Georges Pompidou, et puis dans la Bibliothèque de langue et de civilisation à Paris. Nous avons recherché dans 4 livres, donc un livre beaucoup plus philosophique, linguistique et scientifique. Nous avons monique makambo mingi o esaba mo ki mo dumina sala gero me ba bomba ba te ango sur ba sur ba colte ndaki sa livre ya Emmanuel de Rouget o alobi mémoire sur l'origine égyptienne de l'alphabet phénicien. Donc avec ce que alphabet phénicien o epsi écriture grecque écriture latine outil dans mon Égypte du sous livre ya Pascal plutôt Charles Pascal de Paravé a commis le livre en 1800 et quelques 1826 comme on a lu l'origine unique et hiéroglyphique de toutes les lettres et de tous les nombres de tous les peuples. Donc là, c'est pour ça que mon livre il y a deux et trois siècles. Et puis moqué namba nous voir avec ça ngai voilà sur le plan il y a histoire et écriture dans nombre mais sur le plan il y a principe en nombre le bot en nombre ils avaient qui bah tout dans la tête il y a tout dans là on va penser donc on va réponse des fois on dans la balabala des fois dans le beaucoup on sortir le beaucoup dans le monde le beaucoup dans la deux faces nous va réponse donc voilà c'est que nous va gazer qui va pas qui mon dans la ngai après c'est ngai non je vais voir moi dans la tête mais comment ça qu'on va penser. Et avec le temps, ils ont commencé à me dire que nous avons soit dans le monde, soit dans le monde, dans le livre, et ainsi de suite. Donc le fait, nous avons pensé, nous avons semblé là, mais nous avons facilement la piste. Et la piste, c'est que nous sommes dans le livre, nous sommes dans la commune, nous sommes dans le malouement, nous sommes dans le deuxième, 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 nous sommes dans le deuxième. Donc tout. Ils ont la Bible, ils ont la Nzemboté, ils ont la commis à la Tokanaté. Mais ils sont ensemble, il y a beaucoup de choses pour le monde, mais on peut signer la piste belle. Merci Mingi, papa Adrien. Mais la moni côté à Souka, nous rejoignons juste à Souka avant de clôturer l'exposition de Naïki Mandombe et écriture, et ça, et le roman Mibali, différence. Wana. Et puis, côté du chouchou, ils allaient cacher et pas à Bamindele. Pourquoi Bobombi côté à Bamindele? Parce que bangope bazali bandeko bazokolanda ba mususu pe bazali pona kolanda ka papa simo kimbangu me bobombi bango bobombi bango secret pourquoi na kubanga na mutu na oya liboso oyo ya Mandombe na écriture Mandombe. Enfin Mandombe ça veut dire quoi? Mandombe donc oyo ya moto moindo donc yango ndezali principe oyo boti écriture Mandombe voilà Mandombe ezali bilembo oyo papa kimbangu ya sifa ya belage yango tobenga Mandombe c'est dire oyo ya mutumbi oyo mutumbi dans sala ngoma musala na ye Mandombe donc papa kimbangu tanga mone papa belage na ndoto papa naye vous avez vu les chiffres exacts matériels c'est avec ces deux chiffres que vous réaliserez tout ce dont vous aurez besoin pour votre bien-être matériel. Voilà mon nom bien moi. Merci ma soeur, je suis à Beladio, je suis à Sambela, je suis à Nzambe, et comme ça, ma soeur, non, mon nom, donc écriture, mon nom. Il y a là ce que c'est la différence entre mon nom, qui est la base, le principe de base, qui est la matière première,
Et boti siko yo écriture mandombe qui est une implication. Et boti pe art mandombe. Tobenga kimbangula, et boti pe kimaza la science. Et y a un peu de choses qui sont mis à l'air. Donc, ça va être écriture en nombre. Et que ça m'aura partout. Art en nombre, ça m'aura partout. Si la science est allée, oh, tout ça va trois quarts d'invention au point qui manque à l'obi, à la grande abysso. Au point qui manque à peine dans le diable. Quand un nombre, un canaï assis, Jérusalem, basé sur le Calvaire, il y a un oiseau là, va battre un kimba, parce qu'il y a fait un dame. Donc, après ce trois quarts d'invention scientifique et technologique. Alors, surtout, nous avons déjà fait une collection de papaya, nous avons fait un tant que nous avons fait un papaya, nous avons fait un papaya, nous avons fait un Congo, nous avons fait un papaya, pour ne pas qu'il y ait un papaya, nous avons fait une révélation scientifique, nous avons fait un Congo, nous avons fait un papaya. Nous avons fait un papaya, nous avons fait un papaya, nous horloge astronomique, horloge normal, nous avons fait un papaya, mais nous avons fait un Congo, nous avons fait un papaya. Tant que nous avons fait un papaya, nous avons fait un papaya, nous avons fait un à cause de la bijia, quoi aïe, mais comment faut-on avoir langue, on a vu son point de bouffer, le grand mandombe. Mais si on était mondial, soit il est en anglais, à temps en ligne, il est sûrement maître en anglais, tout au bout, à tout le monde, à côté, on va mettre en anglais, en suédois, en espagnol, en portugais, juste au bout de l'onze. Au fond, il va pas dire qu'il va 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 dire. Mais ça caché pour un libérateur, pour que tiens, on est dans le côté de l'abysso, dans le côté de l'abysso, surtout dans le Congo, dans la révélation que tu m'as nommé. À ce moment-là, on est dans le côté de l'abysso. C'est comme une obsession de l'abysso, il y a comme une obsession de l'abysso. Donc, nous croyons que l'homme blanc devient l'homme noir, et l'homme noir devient l'homme blanc. Voilà. Bon, bien, on est dans le côté de l'abysso, dans la commune de l'abysso. Merci Mingi, Papa Adrien. Na banzete bozali kolanda biso kala tete aussi disana biso parce que une grande partie ya les contenus ya livre s'est exposé en mot oza na posa na mot akoya kosomba ezali na 20 euros. Ils ont côté comme en Belgique et puis en France, en Belgique bon, ils ont à Liège, ça passe à Liège, au moins dans Batouni. Et en France, ils ont un peu partout, ils ont la librairie Tamerie, la librairie panafricaine et puis ils ont Armatan et puis ils avaient l'internet. En gros, ils ont un monde de communauté, ils ont ce que nous avons dans le monde, ils ont des singeli, au moins une langue africaine pour permettre de comprendre. C'est pas pour un mandombe, même si on a tout un mot français, comment on a la langue africaine. Donc il y a les bossos, à la connaissance, il y a une langue africaine. Chiluba, Swahili, Bambara, Sonike, Sango, Diula, ainsi de suite. Ce qui est bien, on va écouter le mandombe. C'est très facile, il y a 3 mois. 4 mois maximum. Donc, à raison, on peut plutôt 12 semaines à 16 semaines, on doit être écrit mandombe. Et là, on a principe, on retient un mot caché pour les barons. Mais ceux qui ont dit mandombe, avec le pays qui m'angoule à mandombe, ceux qui ont contact avec Nzambe, ceux qui ont fait toi, Nzambe a collé la question, on a fait l'invention comme on fait l'invention comme on fait savant. Mais libre à mouton, on a fait mandombe, bon aussi, on a fait l'inventer. Mais tu peux savoir remonter les principes, soit scientifiques, soit scientifiques, soit spirituels, comme tu as dit, Mandombe. Au lieu de Mandombe, comme classe de ça à la place, le temps où il y a des gens qui ont la liaison, ils ont dit, 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 ils ont. Merci, Nassiko, qui a posé pour la question, moi, il y a des gens qui ont dit, par exemple, un qui m'a dit, ils ont 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 dit, je vais vous écrire mon nom depuis mes amitiés. Après, nous allons vous pour mes amitiés. Et même si tu es dans la diaspora, je sais que vous allez depuis mes amitiés. Mais tu es comme nous allons dire, 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 comme nous Adrien Fakasungu, la bande était solo. Tous en apotoawa, les forts à Makasi, mais à niveau Amboka, nous avons trois Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo Angola. Na Congo, les trois Congo, on a la structure nous pour mettre en place pour nous. Et Mandombe, ils ont évolué. En fait, à première vue, nous au moment du soir, c'est comme si nous travaillions Ming, mais en réalité, c'est les Congo démocratiques qui travaillent beaucoup. Mandombe, c'est quand on a Kinshasa, c'est quand on a Bas Congo, mais Mandombe, c'est une Bounia. Ils ont un goma, ils ont un bouton, ils ont fait partout. Dans ma correspondance, Eric Philippe, il a un goma. Papa Philippe, je crois, comme on est qui m'a dit, à Lumpongo, ils ont un bounia.
na kisangani bazali donc bon nous était malembe et puis n'Angola pe il y a plusieurs centres na Soyo na province de Zaïre et puis na sud Angola pe ezali sans parler ba capitale na Luanda le point noir ou na Brazzaville mais il y a le mingi important Zaka Kate, tout le Congolais, ou le vieux état congolais, Mandombe, je veux dire. Oui, et là, on est en train de pour que Mandombe soit à vitesse de croisière, il s'est en état congolais, écoute ma cambrouille, écoute mon enseignant, et puis ça va être un décret pour enseigner l'école maternelle, primaire, secondaire et universitaire. Moi, je suis à vitesse de croisière, non, moi, puis écoute un peu dans le programme d'alphabétisation des adultes. Je suis un peu plus de temps. Le pouvoir scientifique, vous n'allez pas comment appeler l'État. Il est moins là, donc 52 ou 52. Mais si le nom de mon indice politique, peut-être l'État congolais à l'élo, l'État africain à l'élo, il va monter. Mais tant que vous en tout cas, tant que le pouvoir politique, il va monter. Donc, Mandombe, tant que l'État soit en mouvement en charge, il va tirer ma boucle, il va monter aussi. Mais, tant que l'on a fait Mandombe le 4 janvier, on ne peut pas qu'il manque un peu sur le nom de la CEK. C'est que c'est un qui m'a dit fête maintenant chaque 4 janvier. Wagina, directeur de la secrétaire générale de la recherche scientifique, ministère de la recherche scientifique, Wagina Bissou en Kamba, je suis Wagina Bissou en Naye. Mais donc, ça, moi, je suis progrès de constater la donnée à Mandombe. Depuis, Bandima, la résultat de la recherche, comme un résultat de recherche, l'autre, la donnée, c'est que je suis en train de en tout cas, l'État, c'est que je pense que dans le monde, l'État, aux hommes en charge pour que je suis en train de mais, en 2011-2012, le ministre de l'enseignement supérieur, M. Machin, comment m'avait signé un décret pour créer quatre chaires dans quatre universités congolaises, l'université Simon Kimbangu, l'université Lubumbashi, l'université de Kinshasa et l'université Kisangani. Mais depuis lors, les trois universités Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa, ils ont conseillé Mandombe été. Mais seulement l'année dernière, Maman Génie Wabeladio a bêté ma porte, l'université de Kinshasa est venue conseiller Mandombe qui est effectif. À part que les gens enseigneront partout, y compris les gens qui sont en tout cas, nous avons pour que nous puissions nous défendre, mais ce nous défendre dans le Congo et en Afrique. Merci Mingi, Papa Adrien. Est-ce que Mandombe et Zozo ont ampleur dans le monde? Est-ce qu'il y a une idée à quoi que Mandombe et Koko coupé sa naissance à une création ou bien une invention? Dans le monde, en Europe ou bien en Afrique. Mandombe, c'est en plein dans le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des étapes. Il y a une étape à révélation. Probablement, on pense qu'il y a des éléments à la révélation, donc découvert de Saramaki. Après, tu passes une étape, il y a un procédé scientifique. Il ne faut pas mettre en place un procédé scientifique pour nous conserver l'invention. Et puis, tu as une implication à cette invention. Mais ce que c'est dit, il y a innovation. Comment nous, ce qu'on a appliqué et a vécu au quotidien. Qu'est-ce que nous attendons là-bas, là-bas, à Moni, qui va commis pharmacie, à Mandombe. À Moni, qui va commis boutique, Daniel Mobodi, à Mandombe. Il y a un des signes qui trouve dans l'innovation. Si tu trouves dans l'innovation, à ce moment-là, on est ce qu'on va comprendre le Mandombe, puisqu'on va épouser le Mandombe pour inventer, pour avoir multiple invention, multiple innovation. Donc pour l'instant, dans l'étape, il y a innovation. Donc, l'application. Donc, c'est un peu plus tout le monde a le plus haut de l'innovation, le système d'innovation d'Italie, pour que l'Africain ait moins réellement que le Congo les a vraiment utilisé au quotidien. Parce que l'implication, c'est un moment une grande avancée, parce qu'ils ont l'implication quand il y a l'écriture, quand il y a l'art, quand il y a la linguistique, quand il y a la science. Mais maintenant, il faut le mettre en application, pas utiliser un mot. Comme l'informatique, ils auront la tablette, ils auront la téléphone portable. Mais ce que ils ont au quotidien, c'est une longue montée. Il y a des applications, mais il y a quelques avancées au nom de l'humain, parce qu'il faut protéger d'abord. Pour ça, il y a la protection au niveau, il y a l'Institut national de protection intellectuelle,
au niveau de l'organisation mondiale de production chrétienne, vraiment, à ce moment-là, déjà, quand on dit ça, on se commande de juste que je vais essayer les gens, de croisière. Mais sinon, ben, invention, je vais me dire, ok, mais tout ce qui est dans mon bas côté, tout ce qui est dans l'étape, il y a protection, tout breveté, tout ce qui est dans le sens, on va dire qu'il y a l'étape de la vulgarisation, de l'application. Mais le moment, nous, maintenant, que l'implication, nous avons déjà vulgarisé. Maintenant, vulgariser par application, par innovation, enseigner d'abord la protection. Nous sommes retournés dans une déposée à Kinshasa, nous avons protégé quelques inventions, on entend comment on était, mais on a posé quelques inventions, où il y a une bonne information. Merci Mingi, papa Adrien. Je suis allé à Tétoko, je suis allé à Souka. Le conseil de l'OPC, c'est la famille, où il y a des familles, 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 où il y a des familles. Conseil de la Bosse de la Mande Gwazalia, vous allez tout écouter d'abord l'écriture Mandombo. Pas maté, dès tout à coup, c'est une implication multiple, quel que soit dans le domaine scientifique ou linguistique. Parce que pour qu'on exprime le concept scientifique et philosophique, il faut qu'on passe par langue d'abysse. Parce que langue, ça va se créer. Mais si on passe dans la langue d'abysse, on va diviser à comment ça va se créer. Parce que ce que l'on dit qu'on commence à exprimer le concept scientifique et philosophique dans la langue d'abysse, on comprend facilement la science et puis facilement on vers la perfection et vers le développement technologique et scientifique. Mais on essaie de tout dire dans la langue d'abysse parce que la langue d'abysse va se créer. Par exemple, on va bien la ville, la filiation naturelle des mots. Mais on va voir qui ça, par exemple, les notes au bas, sur tous les termes, on va bien dire Dieu. L'univers, l'éclair, l'électricité. Ils ont un rapport sémantique entre les quatre termes. Nous sommes tous les gens qui ont Dieu et l'électricité, l'univers et l'électricité, l'éclair, l'électricité, et puis l'électricité, l'électricité. Alors, tout le monde est que nous avons dit 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 que Dieu a créé. L'univers, dans l'univers, il a mis l'éclair, et dans l'éclair est sorti l'électricité. Nous avons moins à quoi dans mon rôle. Alors, on ne peut pas sinon un concept philosophique et scientifique sans passer par une autre langue étrangère. Donc, essayer de se trouver dans la langue, parce que la langue, c'est un secret, même si on ne parle pas de l'eau, mouille. Il faut en français soleil. Navi, il y en a rapporté. Mouille, navi, il n'y a pas de rapport sémantique. On se trouve dans le lingala, mouille. Le lingala soleil, vie na lingala bomoi. Mulke, bomoi, na moi, et zéro bomoko. Vie vient du soleil, le soleil donne la vie. Bomoi, il peut s'arrêter, moi, il peut s'arrêter, bomoi. C'est bon. Quand on a une langue, on a besoin d'un concept scientifique déjà bien exprimé. Mais comme de bon salon, on a besoin. De bon salon, on a besoin de 5 mingi, bana, avec le balan, la bango, et moka, notamment qui Congo, parce qu'il y a un secret d'invention, nous avons marché de père Mandombe. En fait, Mandombe, ils ont un instrument. Il y a une réhabilitation de la langue africaine pour permettre à Ibisso de correspondre à un concept scientifique et philosophique. Voilà comment Manu va réaliser nos langues. Mais on va voir la française avec Mbamba. Et puis, il y a ainsi la révalorisation et l'identité culturelle de Mutomundi. Et puis, il y a symbole et la libération de mental intellectuel et l'homme noir. Là, on a cette mine par rapport au moment. Bon, il y a une balle dans la cour de Mbamba. Par exemple, il y a une dialogue. C'est tout ça là, autre. Tout ça là, tout ça là, 2 sur 10. On a fait ça là, par rapport 4 sur 10, 5 sur 10. On va voir si ça va 8 sur 10. On a tout comme une personne qui m'a envoyé au combat. C'est tout ça, salité. Voilà, on va pas de souquité. On va pas de souquité. Soit il va y avoir des souquités à 3 sur 10. On va pas de la 8 sur 10. Il y a une bande à la génération future. Ça va beaucoup pas être comme ça. Merci Mingi, Bandeko, Balandi, Nabanzi, Tesolo, Nyon, Sapelwana. Bandeko africain, nous allons lui poto partout où nous sommes. La base était ma famille, papa et maman. Apprenez vos enfants la langue d'origine, surtout dans Kikongo, Kikongo et Zalamunoko. Oyo, bino boko yeko sa. Soko yebi amote. Sala SOS pour na mboka bate ya yo parents pour na oyeko sa bana. Merci Mingi, papa Adrien. Tout comme nous avons su qu'on a évité sur la lune un mot. Moi, je suis là à Dumé, et c'est un mot de l'Union. En commençant par les Congolais, on va pouvoir privaser, donc c'est là qu'on va pouvoir domestiquer Mandombe. Comme on dit, vous avez le patrimoine culturel et scientifique, il y a Afrique.
C'est un grand patrimoine, l'équipe même diamant natal, l'équipe même or natal, l'équipe même coltan natal. Mandombe, c'est un grand patrimoine, une grande richesse culturelle scientifique, il y a Congo, il y a Afrique, il y a Mondouine, en tout cas, pour la multinationale. Deuxième journée, il y a Salon du Livre, Moutouasouka, Tozu parmi les écrivains, Tozu Papa Adrien. Avant, c'était une grande partie à présentation. Il y a bah, auteur, lobby, tout présenté avec Bango, Lélope, tout mettre pour ça, la Moutouasoukande, Papa Adrien. Oui, mais t'es battu bongiste, pas seulement ces gens-là, au Romoli, qui est Kaka Bango, la force qui bongiste. Non, non. Bah, auteur, Moussous Bazali, bah, producteur, Moussous Bazali, tout ça, bah, tu es belé, la Katia Église qui bongiste. Sauf que, n'a évité la cocozone la padrière parce que question à la tournée de la paracona. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de ça la synergie pour les autres au ça? Tous les intellectuels, bien les écrivains qui m'ont dit à la table, moko bien au sang pour une activité ou au copé ça pour si pas seulement pour l'église qui m'ont dit, mais pour l'Afrique. En tout cas, Zélie Kassarito, vous appelez le monsieur de Boyo Salamo. En tout cas, moi je pense qu'il vient de l'apprécier. Oui, pour vous dire en tout cas. Parce que remarquez, Mingi, les femmes d'Akuma en Afrique, 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 les femmes d'Akuma Papa Kimbangu Saint-Esprit, le rappeler à quoi pour qu'il dégage le bagui, on n'a plus dans la cam ici, on va faire la même chose, donc comme la métier la livre, nous devons faire un terme beaucoup. Mais c'est important, tout ça dans une sorte de collectif moral et d'écrivain, Kimbanguiste, pour qu'il va commencer pour faire du pour toi, il y a un peu de gens, il y a un peu de gens, pour que tu aies un peu de gens, pour que tu aies un peu plus d'inspiration, on soit au-delà même de ton projet de bien. Mais c'est important déjà au salon, et puis il y a pour ça, pour la rédaction de nom, voilà, il y a un collectif d'écrivains, voilà, il y a ça des livres, en tout cas, il y a un top. Non, mais comme on l'oublie, c'est pour ça, pour faire de la montée dans le Messa, pour faire comme on coupe, ils auront aussi quatre pour faire le livre, pour qu'il y ait un peu de choses à tout. Merci, Nabanzi, et Tokomi, la Soussou, et Zate, et Tokomi, la Soussou, et Tokomi, redémarrer le Soussou, pour ma cambozo, pour Yaka, Kamalembe, Malembe, Sengo, Mingi, et Zali. Il y a un ouvrage dans le colo de Messa, Moussous Balobi et Tikali Naba Ndaku, Moussous Tikali Bipay Nabipay, Oyo Balingo Somba, quelques livres, Awa Namboka Belgique, Bakokoya Namboka à Liège, et pas à Papa Bobé ou à Papa le président Ujiki Namboka à Liège, Moulongani à Maman Pasteur Namboka à Liège. À niveau de la France, on a beaucoup avancé en France. Je pense à Paris, dans la paroisse Nyonce, Merci Ming, Papa Adrien, Banzete, Okutana, Susu, Zambago, Sumakote, Okutana. Merci.
I'm